et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce très joli bandeau. Vous allez voir, c'est un bandeau franchement le plus simple du monde, mais le rendu il est super beau et super tendance. Donc il se fait très très rapidement, vous allez voir. Et voilà le résultat. Donc moi je le porte style indienne, vous voyez, moi c'est comme ça que j'aime. Donc vous allez voir, c'est très facile de calculer pour faire le tour de tête de votre choix, que ce soit pour une adolescente, un enfant, un adulte. Il faut tout simplement monter un nombre de mailles chaînettes, vous voyez, qui fasse le tour de votre tête. Ensuite, ce numéro que vous avez de mailles chaînettes, vous allez le diviser en 6 parties, donc vous le divisez par 6. Et vous prenez une partie de ces 6, donc le mieux c'est que le chiffre soit divisible par 6, comme ça c'est encore plus facile. Une partie de ces 6, vous allez ici le mettre au centre. Ensuite, ce qu'il vous reste de mailles chaînettes, vous allez le placer sur le côté. Donc par exemple, vous avez monté 60 mailles, si admettons c'est pour une adolescente ou un enfant de 10 ans à peu près. Donc ces 60, vous allez les diviser en 6 parties, donc par 6, ça va vous donner 10. Vous mettez 10 ici et ensuite, il vous restera 50 mailles à répartir. Vous faites 25 et 25, tout simplement. Donc tous les numéros que vous allez obtenir, vous divisez par 6, vous prenez une partie de ces 6, vous les mettez au centre et le reste, vous le divisez en 2 et vous le divisez par là, une là, une là, et ensuite le centre. Et quand vous cousez, le bandeau se forme et ça donne ceci. Vous voyez, c'est super tendance, super à la mode. Ça remplace très très bien le bonnet, donc ça fait exactement le même effet. Il tient les oreilles hyper au chaud. Vous allez voir, il ne bouge pas. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Si vous êtes débutante, je vous recommande vivement ce tutoriel. Et sachez aussi qu'avec une pelote de caméléon, on peut faire environ 4 bandeaux. Donc, pour le réaliser, vous faudra un crochet 3,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, et vous pouvez choisir entre la laine sublime et la laine caméléon. Optionnellement, vous pouvez customiser donc votre petit bandeau en lui mettant, par exemple, ici dans cette partie-là, une broche ou ce que vous avez envie. Mais moi, personnellement, je trouve qu'avec la laine caméléon, il se suffit à lui-même, en fait. Il est déjà fantaisie. Voilà. Vous pouvez le faire, donc avec une pelote, je tenais à vous le dire, vous pouvez faire environ 4 bandeaux sans aucun problème. Voilà, et les offrir autour de vous. On va commencer en faisant pour une taille adulte 72 mailles. Donc on commence en faisant une maille chaînette de 72 mailles. La première, vous allez la tirer, ça va vous former un petit nœud. Et à partir de là, vous commencez à travailler des mailles chaînettes jusqu'à en avoir 72. J'ai monté mes 72 mailles, donc maintenant après ça, vous faites une maille en l'air supplémentaire. Cette maille en l'air est juste pour prendre de hauteur. On va compter depuis le crochet, 1 et 2. Dans la deuxième, vous commencez à travailler en maille serrée. Une, dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille suivante, une troisième. Vous faites une quatrième, une cinquième. Comme ça, jusqu'à en avoir au total 30. J'ai terminé de faire mes 30 mailles serrées. Donc maintenant, après ceci, on va faire 12 mailles coulées. Donc on commence, dans la maille suivante vous piquez, vous ramenez le fil et vous le faites glisser. On a la première, on pique, donc la première si vous êtes débutante, marquez-la, parce que vous n'allez pas peut-être la voir après dans les autres rangs, donc vous pouvez mettre un marqueur. Ensuite, vous faites votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième. Après les 12 mailles coulées qui vont aller toujours au centre, on repart. Donc dans la maille suivante, vous commencez à faire votre première maille serrée individuelle. Et au total, il vous en faut de nouveau 30. Donc 1, 2, 3 et vous allez travailler comme ceci jusqu'à avoir de nouveau les 30. J'ai terminé de faire mes 30 de nouveau, vous voyez. Voilà ce que vous devez obtenir.
Donc maintenant, vous retournez l'ouvrage et le rang numéro 2, c'est celui qu'on va devoir répéter autant de fois voulu. Donc vous faites une maille en l'air et à partir de ce rang-là, on va travailler dans la partie de derrière de chaque maille. Donc vous avez, donc chaque maille est composée d'un brin arrière et d'un brin avant. Vous voyez ? On va travailler toujours dans les brins arrière. Donc, on va dans la première maille qui est juste ici. Vous venez piquer dans le brin arrière, vous ramenez le fil. Vous reprenez le fil et vous le faites passer à travers les deux boucles. Vous voyez ? Ça, c'est une maille serrée. Et on va travailler les 30 mailles serrées, mais toujours en prenant, vous voyez, le brin arrière de chaque maille. Et en fait, ça va faire un joli relief à notre bandeau. Donc, vous continuez. Vous voyez ? Jusqu'à terminer. Après les 30 mailles serrées, vous voyez, en prenant le brin arrière à chaque fois, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on atterrit ici où il y avait les mailles coulées. Vous allez refaire les mailles coulées. Donc, regardez bien. Vous avez pareil, une maille avec le brin arrière et le brin avant. Vous prenez le brin arrière, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Donc, on en a une, on continue, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Vous voyez ? Une fois qu'on a fait les 12 mailles coulées de nouveau, on repart avec nos mailles serrées. Et n'oubliez pas, vous prenez toujours le brin arrière de chaque maille. Donc, vous venez dans la maille suivante et vous prenez le brin arrière seulement. Et vous commencez à travailler, vous voyez, en mailles serrées. Tout simplement. Je suis sur le point de terminer, vous voyez, vous piquez dans la dernière maille, donc toujours dans le brin arrière. Et vous faites votre dernière maille serrée. On retourne l'ouvrage et maintenant le rang numéro 3, c'est exactement le rang numéro 2. Donc vous faites une maille en l'air et dans toutes les mailles serrées que vous avez là, donc les 30, vous pouvez les compter au fur et à mesure que vous travaillez, hein, il n'y a pas de problème. Vous allez venir prendre le brin arrière. Donc commencez bien ici dans la première maille, hein. Venez ici et vous venez prendre le brin arrière. Vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée. Et vous allez faire ceci en prenant le brin arrière, vous voyez, les 30 mailles serrées. J'ai terminé de nouveau les 30 mailles serrées, donc c'est reparti pour les mailles coulées. Donc n'oubliez pas, c'est 12 mailles coulées. Donc vous commencez une, toujours en prenant le brin arrière, même pour les mailles coulées. 2, 3, 4, 10, 11 et notre 12e. Maintenant, j'atterris de nouveau là, vous voyez où il y a mes mailles serrées. Vous commencez les 30 en prenant le brin arrière. Donc 1, 2, 3. Vingt-huit. 29 et la dernière, la 30e. Et là, nous avons terminé de nouveau le rang numéro 3. Et bien, ce que vous allez faire, c'est répéter le rang 2 ou 3, c'est la même chose, jusqu'à avoir le nombre de rangs souhaité. Donc, j'ai ici le bandeau quasiment terminé, puisqu'il manque encore, vous voyez, derrière la couture, mais le bandeau, vous voyez, quasiment terminé. Et au total, donc deux rangs, je vais vous les compter de suite combien j'en ai fait. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Au bout de 18 rangs, tout simplement, j'ai coupé mon fil. Donc j'ai laissé un petit morceau puisqu'on va effectuer, vous voyez, une couture. Donc ça, c'est le morceau que vous devez obtenir. Donc juste une petite précision, ça,
vous pouvez faire un top, donc vous le faites plus large et ça peut se transformer en haut de maillot de bain. Vous pouvez faire une ceinture quand vous faites un pull tout simple. Bon, vous faites plus de mailles chaînettes ici, vous voyez, mais l'idée c'est que quand vous allez le coudre ou le placer autour de votre ceinture, ça va faire trop beau, ça va faire comme une ceinture. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses avec ceci. Après avoir lâché la boucle, vous voyez donc à la fin de votre rang numéro 18, si vous faites exactement le même que moi, vous allez tout simplement tirer le fil. Donc c'est pas la peine de faire de mailles en l'air parce qu'on va effectuer une couture, donc ça va se sécuriser vraiment beaucoup. Donc vous placez une aiguille à laine et on va commencer donc à coudre. Donc vous allez venir rassembler les deux morceaux, vous voyez. Donc le bandeau est complètement reversible. Donc vous le cousez du côté que vous avez envie. Donc vous allez venir comme ça. Et le fil, vous voyez avec l'aiguille à laine, du côté vers vous. Vous allez venir planter l'aiguille vraiment ici à l'extrémité du bandeau. Vous voyez, là on a uni ces deux parties-là. Et maintenant, vous avez juste qu'à faire des allers-retours en respectant bien les reliefs. Attention, donc ça c'est très important, pour que le relief ne se déforme pas. Donc vous allez piquer par en dessous et ressortir dans le relief. Et vous ressortez dans le relief d'en face. Maintenant, ici il y a un coin où il n'y a pas de relief du tout. Donc vous prenez cette partie-là de ce côté-là et la partie d'en face. Vous allez dans le relief maintenant. Vous passez par en dessous, vous voyez, comme ça on verra moins le fil, ce fil-là. Vous allez dans le relief d'en face et vous unissez. Maintenant, on passe au côté où il n'y a pas de relief et vous prenez la même partie mais d'en face. Vous passez au relief et vous prenez le relief d'en face. Et vous unissez, vous voyez. Et vous allez venir unir de cette façon jusqu'à terminer toute la couture. J'ai terminé d'effectuer la couture, donc maintenant à la fin, comme dans tous les ouvrages, une fois qu'on a terminé, vous allez venir faire un petit nœud. Vous prenez l'autre côté d'en face, donc l'autre extrémité, et vous faites votre petit nœud. Ensuite, ce petit nœud-là, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est le cacher dans le bandeau, vous voyez. Vous pouvez le cacher par où vous voulez. Soit dans la couture qu'on vient de faire, soit tout droit, vous voyez. Donc, vous allez le cacher un bon petit morceau. Une fois qu'on l'a caché suffisamment, vous voyez, vous prenez vos ciseaux. Vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez votre fil. Tous les fils qui nous restent, donc là un seul, hein, vous allez venir les cacher de la même manière. Et votre bandeau, vous voyez, sera complètement prêt. Le bandeau est complètement terminé, donc voilà ce que vous devez obtenir. Il est vraiment trop joli, hein. Je vais vous mettre une photo donc, de moi le portant, comme ça vous allez voir ce que ça donne sur la tête. Et ce qui est bien, c'est que comme on a commencé la chaînette d'en bas, eh bien, ça ne va jamais se déformer en fait. C'est pas comme si c'était un point vraiment tout élastique. À la fin, ben, ça s'élargit un petit peu, ça tient moins bien sur la tête. Là, ça va tenir parfaitement. Donc n'oubliez pas, avec un crochet numéro 3,5, la laine caméléon, vous devez monter 72 mailles pour taille adulte. Voilà. Donc il tient impeccablement sur la tête avec 72 mailles. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec dans tous les âges. Et voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Vous voyez ? Il est juste magnifique, il est faisable donc même si vous êtes débutante ou confirmée bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.